Coucou les amis Popia, une petite vidéo ce soir parce que je voulais vous faire partager un hôtel que j'ai fait en l'honneur de la célébration de la bénédiction de l'utérus, voilà, qui a lieu en cette pleine lune. Et voilà, j'ai créé un petit hôtel et je voulais vous montrer. Voilà, donc c'est la première fois en fait que j'en fais un. De ce type et voilà, donc je vous montre. Donc hop, donc ça c'est ça veut pas rester trop debout. Voilà, donc en fait c'est mon tableau de vision, vous voyez ici. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. En plus j'ai un ordinateur qui est pas très facile de voilà, donc ça c'est mon tableau de vision que j'avais fait en début d'année, que j'avais fait pour le défi abondance en fait, que je vais pas y arriver. Bon voilà, on va le mettre comme ça pour le moment. Donc voilà, c'est le tableau d'abondance que j'avais fait pour le défi des 100 jours. Et puis là donc j'y ai mis des photos, des cartes, des choses qui voilà qui me parlent. Qui sont voilà, beaucoup axés sur le féminin comme vous pouvez voir. Donc voilà, j'ai les énergies de Pocahontas aussi qui sont là, qui me guident, parce que voilà, elle est importante pour moi là dans ma vie, parce qu'elle m'apporte vraiment beaucoup de paix, de joie, d'espoir, de libération. Voilà, donc on est pleinement dans ces énergies de libération. Donc ça, je suis vraiment je vibre sur ces énergies là et là en cette pleine lune, c'est aussi le moment de faire de donner tout à la lune en fait, un rituel pour se libérer de plein de choses. Donc c'est quelque chose que je vais faire aussi. Voilà, donc c'est un rituel, un petit hôtel que j'ai fait, et j'ai donc fait la bénédiction de l'utérus tout à l'heure là, avec un groupe de femmes. On était une cinquantaine, voilà, à 20h. Donc il y en aura un prochain à 1h du matin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des photos de personnes qui m'inspirent, comme Audrey Hepburn, qui est ici. Voilà, j'adore son sourire, j'adore qui elle était. Voilà, c'est vraiment une de mes actrices préférées. Donc voilà, ensuite j'ai mis aussi Simone Veil, voilà, qui représente pour moi vraiment le monument féminin. Et j'aime beaucoup ce livre que j'ai lu sur elle, enfin une autobiographie, L'éternelle rebelle. Je trouve que ce nom lui va très bien et aussi pour moi m'inspire beaucoup. Voilà, parce que j'ai ce côté rebelle en moi. Voilà, en photo, j'ai aussi mis une photo d'un couple marié. Donc voilà, c'est très beau et voilà, ce qui m'inspire aussi beaucoup. Et après, des cartes oracles, donc comme vous voyez... J'ai mis en position là la première, celle-ci, Nouvelle Vie, Divine Mère. Voilà, donc vraiment on est dans ces mouvances-là d'énergie, de créer de la nouveauté. Alors je me suis aussi offert aujourd'hui du muguet dans un petit pot comme ça, avec une petite rose, donc que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de douceur. Donc voilà, c'est vraiment ce que... Je me suis vraiment fait un beau cadeau en fait, en l'honneur de qui je suis, de la femme que je suis, de l'évolution. Il y a aussi mon petit ange ici qui m'accompagne. Voilà, j'ai mis aussi des pierres qui permettent d'être attachées au minéral, de la lavande que j'adore. Voilà, c'est vraiment une plante, une fleur que j'aime beaucoup. Voilà, donc après voilà, des cartes comme ça qui m'inspirent. Et le basilic et l'aloe vera aussi, qui sont des végétaux que j'aime beaucoup aussi. Voilà. J'ai mis aussi comme vous voyez, un petit gilet vert. Vert, la couleur donc, du chakra du cœur, donc la couleur de l'amour.
le vert et le rose, en fait, ce sont vraiment les deux couleurs de l'amour. Donc voilà, je conseille, c'est pour ça que j'ai mis un petit foulard aussi rose. Voilà, c'est un foulard que j'aime beaucoup, mais que je porte pratiquement pas, en fait. Enfin, voilà, je l'ai porté quand j'avais les cheveux courts, je le mettais dans mes cheveux. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit foulard. Et donc voilà, le vert et le rose, c'est très harmonieux, c'est très amour. Et on est vraiment sur ces énergies. Donc voilà, je vibre beaucoup. Je suis aussi entourée d'un quartz de rose. Voilà, des pierres aussi. Voilà, celle-ci, c'est pour... c'est le chakra coronal, donc c'est pour vraiment tout ce qui est spiritualité. Voilà, voilà, donc c'est comme si voilà, je fêtais quelque chose parmi du monde entier, et du coup ça me met en joie. Je suis vraiment connectée sur les énergies de l'amour, ça me fait vraiment plaisir. Et belle synchronicité, c'est que mon amoureux qui a 10 km de chez moi, en fait il est hyper connecté aussi, enfin on est hyper connecté dans les deux sens du terme, mais voilà, ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas internet, enfin en tout cas qu'il n'était pas disponible, parce qu'il était dans les forêts amazoniennes, tout ça, et du coup voilà, j'avais pas de nouvelles, et là je pensais qu'il devait revenir demain, et en fait au moment où je pensais à lui et au moment où j'avais envie de méditer un petit peu sur, sur l'amour et tout ça, il me répond qu'il est rentré et voilà, qu'il souhaitait méditer avec moi. Donc voilà, c'est juste belle synchronicité, voilà. Et donc du coup je suis vraiment contente de partager tout ça avec vous. Et je voulais aussi remercier Sonia pour la vidéo qu'elle a fait sur la fête de Beltane, que je connaissais pas très bien dans le détail, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et du coup ça me donne envie vraiment de rechercher, de faire des recherches sur cette fête, sur les rituels aussi, parce qu'elle a partagé pas mal de rituels et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, très naturel, très... moi qui suis dans les énergies aussi de Pocahontas, là j'ai besoin de la nature, j'ai besoin d'aller chercher des feuilles, des bouts de bois. Enfin bon, là c'est vrai que j'ai pas apporté trop de feuilles, mais par exemple j'ai des petits troncs comme ça là, petits bouts de bois, voilà. Bon, c'était à l'origine pour mettre une bougie, mais ça rentre pas. Mais bon voilà. Donc c'est super chouette. Et voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment plein d'amour. Célébrer ce soir voilà, avec votre amoureux ou vraiment seul aussi, c'est possible, de vous donner de l'amour, pour les femmes d'honorer leur utérus. C'est vrai que on remercie pas assez, je pense, nos parties intimes, et voilà, je pense que c'est nécessaire. Enfin, pour moi c'est une révélation, parce que voilà, ayant eu des soucis et ayant encore un peu des problèmes de démangeaison, etc. Donc voilà, mon corps veut me parler à ce niveau là donc je l'honore, et en lui portant de l'amour et de l'attention, je sais que les choses, mon corps va s'apaiser, je vais pouvoir être beaucoup plus calme et entendre les messages qu'on veut me faire passer, que mon corps veut me faire passer. Et pardon. Et donc voilà, donc vraiment belle soirée à tous et à toutes, et profitez bien de votre jour de 1er mai demain. Mouah.